vous Canadiens qui vous parlent, j'espère que vous êtes bien parce que moi, je suis bien. Oh yeah! Allez! Pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Trove, Darkness of Times. Oh yeah! Caribou Canadien. I remember when Adolf Hitler was appointed Chancellor in 1933, the masses cheered. But we were not among them. We knew that the times would be bad now. We knew that the Nazis mettraient leurs menaces à exécution. That those people meant what they said. We had to do something. Agir. We couldn't just stay silent. But we also knew. That it can cost us our heads. Le personnage que vous allez jouer, oh non, genre, enlevez-vous. Votre mauvaise conscience, la résistance ne vous pas un. Répétez la prise de pouvoir. C'est le récit. Renverser le récit. Un chapitre alourdi. Le 30 janvier 1930, le président Paul Van Hindenburg nomma Adolf Hitler chancelier. Ce soir-là, trois camarades se réunirent dans l'arrière-salle de bar de Berlin et se promirent de résister aux épreuves de venir partout en Allemagne. Les citoyens ordinaires, les amis et les familles firent ce même serment. Aider les autres. Combattre un régime cruel au péril de leur vie. Voici leur histoire. Chancelier. Février 33, en entrant dans notre lieu de réunion secret, j'entends Elise Kettmann dire « Ils l'ont nommé chancelier !» C'est une catastrophe. Comment le président Hindenburg a-t-il pu le choisir? Ça vient de ça l'arrivée. Bah, dis-je, nous devons convaincre plus de gens de soutenir notre cause avant d'attirer l'attention sur nous. Saisirons la moindre prétexte pour arrêter des gens comme nous. Tu n'es pas d'accord? Me demande Elise. Je pense que tu as raison. Il nous faut plus de soutien. Tu vois, Sama Elise, pendant que nous discutons, les nazis persécutent et tuent des gens tant qu'on ne les arrêtera pas. Ils continueront de grossir leur rang, Bruno, Bueno, Georges. Je comprends bien, mais nous devons être prudents. Tu as raison, cependant, nous ne serons utiles en personne une fois mort ou en prison, n'est-ce pas? Bon, quelle serait la tâche la plus importante pour le moment, demande Bruno. Et voilà la vérité. Nous savons que les nazis sont des criminels, mais nous ne pouvons pas encore le prouver. Il faut dévoiler la vérité et la propager, dis-je. À de la scène. Depuis la carte de la ville, vous préparez les actions du groupe en envoyant des membres en mission.
Et vous voyez, il y en a perçu des membres de l'objet sympathique et du moral. Tu as affecté des membres de mission et c'est impressionnant. Et les ajoutant aux membres dotés de compétences adéquates augmentant les chances de réussite. Acheter des objets facultatifs peut améliorer le résultat de la mission ou aider les membres de s'en sortir si quelque chose tourne mal. Sympathie parmi les ouvriers de la Krugberg doit peut-être nous aider grâce à des dents. Une ouvrière sympathique du groupe veut que vous présentiez certains de ses collègues. Bon, fin de préparatif, parce que c'est mieux que les préparatifs sont terminés. De préparatif. Edwin, Enders rencontre les collègues de notre Kernsberg et leur parle pour voir si certains d'entre eux voudraient nous aider. Il s'avère qu'ils ont encore des gens insatisfaits par le riz. Il veut changer les choses. La nuit est déjà tombée lorsque je rentre en vélo. Les rues sont désertées. Je vends glacé s'infiltre à travers mon écharpe. On fouille mon visage dans mon écharpe. Débouche une Alexandrière, place déserte aussi. Loin, j'aperçois un groupe d'hommes qui... dirigé vers le groupe d'hommes. Ou trois hommes, tout portant la chemise brune et le brassard de croix gammé de la SA. Dans chacun civil. C'est Alexandre Praz et je rentre chez moi dans mon dos, genre. Comme super. Contenu de le rouer de coups. Les Scudman approche de moi et s'écrie « Pourquoi n'as-tu pas aidé cet homme sur Alexandre Place ?» Devant faire profil bas, quel est l'intérêt de tout ça si nous n'aidons pas les gens, demande-t-elle. T'as raison, c'est n'importe quoi, c'est tout. Avant de partir en claquant la porte. Ouais, moins 5. Sympathisants sont les piliers de la résistance. Ils vont apporter des fonds, des enseignements et des nouvelles occasions de mission. En exécutant les missions spécifiques, vous ralliez les sympathisants.
perdu les sympathisants et il nous reste 10. Edwin, en visite aux sympathisants. Demandez des danses. Et les gens horrifiés par les dernières atrocités commises par le crime veulent aider le groupe. Ok, c'est à droite. Ouais, il s'agit du moral de votre groupe, gardez l'œil dessus. La pression permanente de l'FBS pression. Atteint zéro, le groupe de Zisco est à partie terminée. Trouver un nouveau membre. Nous devons trouver des candidats de confiance qui ont envie de rejoindre le groupe, mais qui ne vont pas révéler que nous faisons des recrutements pour la résistance. Rejoins notre groupe. Faire ma réserve parmi les groupes tournées et conférences en Autriche, je décide de ne pas rentrer en Allemagne. Salut Lucky, comment ça va? Au travail? Et Roman atteint un comptoir. Maman, je reviens avec les papiers. Il est tard et je bois un verre dans le Rochester Mark. Un homme fait éruption en hurlant les Reichstag, il est en feu. Les communistes ont mis le feu au Reichstag. Pour dire immédiatement. Je laisse mon verre et je précipite dehors malgré l'heure tardive. Les rues sont bandées, une lueur rougeâtre illumine le ciel nocturne au-dessus du palais de Reichstag. Demande ce qui s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on attend? Demande une femme en manteau de fourrure. Allons voir ce qui s'est passé. La foule autour d'elle. Acquiesce et un groupe se forme. Et seul. Attends que le groupe soit parti et je vais jusqu'au Reichstag. Plus qu'à l'approche,
Plus l'odeur de fumée et de feu puissant à l'air finit par devenir presque respirable. Quand j'arrive au pont, il mène une Rennsteig, une patrouille de police, me barre le barrage, la zone de bouclier, dit l'agent circulé. Il est tard. Quand je regagne enfin le pénat, je m'endors immédiatement et rêve d'incendie et d'étranges personnages qui avaient toutes leurs idées pour l'identifier des coupables. Ça présagerait de bon. À de la scène. Honoring me prend à part. Écoute, c'est mon frère. J'en aurais cru que les choses restent si loin, mais... Fais-moi confiance. C'est bon, tu peux tout me dire, dis-je. Bruno soupire. Baisse le regard et se redresse pour me parler. Hier soir, quand il est rentré à la maison, il portait une uniforme de la SA. Tu es en danger. Je découvre que tu es avec nous, tu pourrais finir en prison. Au pire, bon Dieu, nous sommes tous en danger. Chut. Ils n'ont pas besoin de le savoir, dit Bruno. Regarde les autres. Écoute, je sais que mon frère me fait confiance. Ça pourrait être une formidable opportunité pour nous. Je pourrais avoir des informations de première main. Très bien, faisons cela. Vois si tu peux nous obtenir des informations utiles, mais je t'en prie, sois prudent. Tu vas jouer à quoi aujourd'hui, Lucky? Fabrication de track à la main, l'imprimeur Charlotte Schmidt a volé une presse manuelle à son travail et nous l'a donnée. Pour désormais fabriquer des tracks à la main. Kidman passe la nuit avec la main. Son travail physique est difficile. Elle a beau faire de son mieux, elle en produit peu. Elle pense que... Ah, et celui du groupe. Comment on me parle? Pas le dire. M. Bonjour. En licencié, j'ai perdu mon emploi, dit R.M. Odman. Pourquoi? Ah, mais pourquoi, demandait. Pourquoi que quelqu'un m'a entendu dire à un collègue que j'avais voté pour les communistes dans les élections, dit R.A. C'est terrible que je sais pas comment je vais payer mon loyer la semaine prochaine, ni la nourriture. Ouais, nous donnerons de l'argent en attendant que tu trouves. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas tenir plus pour l'instant, dis-je. Et en attendant 10.
Edwin Hand veut acheter du papier pour écrire le suivi et choisir la boutique. Personne ne le connaît, l'employé prend une commande vers l'arrière. Cette semaine, rencontre des collègues de notre sympathisant Kreuzberg. Il a peur pour voir. Il reçoit 4 nouveaux sympathisants pour lui. Une grande visite aux sympathisants connus au groupe des ouvriers de Kreuzberg pour leur demander un don supplémentaire. Il a réussi les gens horrifiés par le régime. Il a reçu 17. Ah, les ceux du groupe sont plus bas. Norine vient me voir et ils semblent tous excités. J'ai réussi, quoi donc? Que tu as fait, demande. Il y a de mon frère quand elle a ça. Elle a dit d'essayer de récupérer des informations. J'ai réussi, j'ai un renseignement que notre. Bravo. Fantastique, dis-je. Tends-nous la lèvre. Et la beau faire son mieux, elle n'en produit pas. Cinq niveaux. Oui, pour ça. Non, c'est... Camp de travail. Lily Skidman annonce qu'elle est enceinte. Pas continuer comme ça. J'ai peur que cela nuise. Partir. Pas dur de te remplacer. Trouve une solution. Bonne chance à toi et à ton bébé. Elle semble soulager l'équipe de quartier général. Fin. Contactez le prêtre. Goss Müller est chrétien pieux et membre de l'église de Tempelhof. Parle d'un prêtre qui critique fortement souvent le régime. Eliastin nous parle d'un ancien syndicaliste qui aimerait farouchement poser aux nazis. Quitte la réunion et rentre chez moi dans le métro, j'ai une nette impression comme ça. Je suis sur mes gardes, je sors auprès de chez moi, mais d'autres passagers. Dans la station, je m'aperçois que la rue est pleine de monde. Que je peux. Quand j'arrive enfin chez moi, je mange la lumière et je m'approche. M'assois à côté de la fenêtre. Oh, la rue est bien éclairée. En noir, les voitures vont se succéder. Et en pleine nuit, ma première dans le tombe se trouve. Vous savez d'où je suis. Où
parlant d'un homme et sans me regarder, on va à cette personne. Réellement. Voilà partir, je rentre me coucher. Vraiment rien. Ok, ok. Je pas à dormir et après faire. J'ai pas pressé de rentrer après une. Une rencontre pour voir si elle peut à tourner. C'est le risque de le risque d'être pris. Annulé. Avant la réunion, il me rend part de ce repère. Bruno, arrête d'être fin. Parce qu'un mouchard. Nous avons découvert un mouchard des Vigus. Bien entendu. Le monde se cache. Que l'on m'appelle Charles Smith. À cette. Le samedi, je sors faire des commissions pour le lendemain. En apercevant la boutique de loin, je deviens qu'il se passe quelque chose. Devant un bâtiment, comment s'est formé, au milieu duquel je distingue plusieurs chemises. Là et ça. J'approche la boutique en tentant de savoir plus. Trois et ça se tiennent devant la porte de la boutique. Ils portent des pancartes avec des slogans antisémites. Les vitrines de la boutique et quelqu'un a peint une étoile de David de Mou. Trois cartons liés allemands répostés n'achetaient rien des juifs. Encore aux Allemands, attention, c'est comme les juifs sont parasites du peuple allemand. Propriétaire de ce qui est le juif Nathan Smith. Bien que la femme tente d'entendre entrer dans la boutique, mais l'un des SA la repousse. Dans la boutique, mais l'un des SA se barre pas. Où est-ce que tu vas comme ça, Tariq? Entre la boutique sans dire un mot. Et en total, je rentre dans la boutique, l'intérieur de la boutique. Plongé dans l'obscurité, et les yeux mettent quelques minutes à s'habituer, je distingue une silhouette dans le fond. J'ai acheté quelque chose? Prendre une voix, vous êtes sûr de vous? Je crains que laisse pas aux hommes dehors. Je me fiche d'eux, j'ai besoin de provisions et c'est ici que je compte les acheter. Comment vous voulez, elle prend place derrière le comptoir, qu'il faut
at least. J'analyse et place mes achats dans un sac et je lui tends mon argent. Pas quoi dire. Je me remercie pour son aide. Je quitte la boutique avec mes achats et la chemise noire me jette des regards haineux pour ne m'arrêter. Elle ne m'arrête pas, rentrez chez vous. Tandis que j'en regarde mon sac plein, je remets ce que. Voilà, les pancartes, les chemises brunes, les bains, les badauds et les. Ces pauvres commerçants, jusqu'à tout. Ira-t-il? J'arrive chez moi et l'estomac se retourne, la situation dans le pays, pire en pire. Devenant vigilant. À la scène. Lors de la réunion, Bruno Ring s'approche de moi. Il semble avoir peur. Car celui qui fait partie de ça me soupçonne d'être dans la résistance. Que sait-il exactement? Je ne sais pas, mais ses allusions étaient claires, il est au courant. Tu as quitté notre groupe. Pardonne-moi, Bruno, mais je ne peux pas prendre de risque dans notre groupe. Non. J'ai découvert tout est fichu. Ta sécurité comme pour celle. Oh, tu dois quitter. Donc, c'était tout pour ce jeu aujourd'hui.